Bonjour tout le monde, alors c'est parti pour une bonne recette de saison avec des légumes locaux de chez nous. Salut Geoffrey. Salut Maria. Alors tu nous prépares quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on part sur du chou-fleur avec une sauce au jaune d'œuf et des épinards croustillants. Allez, bah c'est parti. Donc là tu fais quoi? Là je rôtis le chou-fleur, je termine sa cuisson en fait, on l'a pré-cuit. Et là du coup on va l'arroser au beurre avec deux gousses d'ail. Comme si c'était une pièce de viande en fait. L'étape suivante, c'est de préparer les épinards croustillants. Ici, au préalable, on a une pâte à tempura, donc eau et farine. On va juste tremper les épinards dedans et les mettre à frire à 180 degrés. Pour ce petit croustillant, j'ai juste envie de croquer dedans, je vous jure. Trop bon. On passe au dressage, enfin ? Exactement. Cool. Et comment tu fais en fait cette sauce au jaune d'œuf? Alors c'est tout simple, tu fais des œufs mollets et tu récupères le jaune d'œuf. C'est beau! Alors moi j'ai juste envie de goûter et franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est cuisiner local avec des produits de producteurs bien de chez nous. Le goût n'en sera que sublimé comme on dit. Donc voilà. Et alors la bonne nouvelle, c'est que grâce à toi Geoffrey, les enfants vont adorer les légumes. J'espère. Ah non mais franchement, ça croque et c'est délicieux. Il manquerait plus que ça. C'est super bon.